Après un véritable âge d'or qui s'est étendu du 15e siècle au 3e tiers du 17e siècle, les difficultés s'accumulent pour le Royaume de France et pour la Bretagne, à commencer par une avalanche d'impôts nouveaux. C'est ce que l'on va découvrir avec ce 9e épisode de notre série « La Bretagne en histoire » en compagnie de Jean-Jacques Monnier. Louis XIV décide de prendre les choses en main, de taxer, et ça ne va pas plaire du tout à la population locale, notamment aux paysans. Oui, donc Louis XIV arrive déjà dans une période de difficulté. Plusieurs années sont mauvaises, le commerce se ralentit, et lui, il vient imposer une série d'impôts nouveaux, mais extrêmement élevés, à peu près une augmentation de 50% des différents impôts. Le premier impôt qu'il va infliger, c'est l'impôt sur le tabac. Or, en période de crise, on fume. Quand ça ne va pas bien, on fume. Et cet impôt sur le tabac va toucher tout le monde, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. C'était du tabac, d'ailleurs, souvent à priser ou même à mâcher, et non pas forcément à fumer. Déjà, il y a un mécontentement considérable. Tabac qui était, par exemple, fabriqué aussi à Morlaix, à l'époque. Enfin, il poussait ailleurs, il était conditionné là. Et donc, cet impôt sur le tabac va jouer. S'y ajoute une taxe sur la vaisselle d'argent et la vaisselle d'étain. Les Bretons vont réagir parce que chez eux, dans cette Bretagne prospère, il y avait de l'étain et de l'argent presque chez tout le monde. Et également, un autre impôt sur le papier timbré. Papier timbré, c'est pour tous les actes de location, de vente, etc. Donc, tous les agriculteurs devaient signer ce genre de papier. C'était gratuit jusque-là. Tout d'un coup, il faut payer. Donc, ça va provoquer une révolte qu'on appelle la révolte du papier timbré. Ces révoltes, elles vont être plutôt pacifiques, sous la forme de la démonstration, ou plutôt violentes? Au départ, tout le monde est à peu près d'accord pour être contre ces taxes, qui sont vraiment injustes et insupportables. Et donc, à ce moment-là, les seules choses qu'il y a, ce sont des pillages de bureaux de tabac, où on récupère du tabac et des papiers timbrés. Mais généralement, tout le monde est d'accord et il n'y a pas de violence. Les premiers événements connus par rapport à cette révolte... Donc, ça c'est en 1675, à Rennes et à Nantes. Dès qu'on apprend ces nouvelles, les gens se rassemblent, notamment devant les bureaux de tabac, et puis pillent les bureaux de tabac pour prendre du tabac avant qu'il soit taxé, avec l'assentiment généralement des tenanciers qui espéraient une indemnité. Donc il y a une sorte d'unanimité, aussi bien des bourgeois, des nobles et du petit peuple, pour refuser ces impôts. Et ensuite, la révolte va se propager aux campagnes. Mais les paysans, eux, qui n'ont pas de bureau de tabac à la campagne, vont s'en prendre au château. Parce que c'est le châtelain qui prélevait les taxes pour le roi. Et on appelle cette révolte des campagnes la révolte des bonnets rouges. Pourquoi ? Parce que les paysans portaient sur la tête un bonnet qui pouvait être rouge ou bleu d'ailleurs. Généralement, les nobles avaient senti le vent et étaient partis dans leur résidence à la ville. Ce qui fait qu'il n'y a pas non plus eu beaucoup de dégâts humains. Qu'est-ce qui va faire que les choses vont se corser ? Disons que dans un premier temps, les paysans vont demander une révision des droits seigneuriaux, payer moins de taxes. Et puis, parfois, ils vont même mettre la terre du seigneur en culture en commun. Ça va aller parfois un peu plus loin, notamment en Bretagne de l'Ouest. Mais ça va se corser quand le roi de France envoie les dragons, c'est-à-dire des mercenaires extrêmement brutaux, faire régner l'ordre en Bretagne et avec des excès absolument abominables.
Alors, il y a un personnage dont le nom a perduré de nos jours, un Carésien. Sébastien Lebalbe, un ancien notaire, qui a pris la tête de cette révolte pour la région du Poher. Je présume que Louis XIV ne s'est pas laissé faire. Non, donc les révoltés avaient un programme qui était la suppression des droits seigneuriaux, qui était la suppression des taxes injustes, et le droit aussi pour les roturiers d'épouser les nobles. Donc vous avez un peu une image idyllique d'une société où les gens seraient égaux. Et ceci, c'était quand même pas mal d'années avant la Révolution française. Donc c'était des revendications qu'on pourrait qualifier de modernes. Et évidemment, Louis XIV refuse, envoie ses dragons, c'est-à-dire ses mercenaires, faire une répression terrible, d'abord dans les villes, et puis ensuite dans les campagnes, où on va chercher les meneurs et on va réprimer la population, imposer des nouvelles taxes, parfois même raser les clochers. Oui, il y a eu des abominations de commises, la marquise de Sévigné elle-même témoigne. Oui. 30 octobre de l'année 1675. Voulez-vous savoir des nouvelles de Rennes ? Il y a toujours 5000 soldats. On a fait une taxe de 100 000 écus sur le bourgeois. Et si on ne les trouve pas dans les 24 heures, elle sera doublée et exigible par les soldats. On s'y chassait et bannit toute une grande rue et défendu de les recueillir sous peine de la vie, de sorte qu'on voyait tous ces misérables errer en pleurs au sortir de la ville, sans savoir où s'y est, sans avoir de nourriture ni de quoi se coucher. Un violoniste qui avait commencé la danse et la pillerie du papier timbré a été écartelé après sa mort et ses quatre quartiers exposés aux quatre coins de la ville. La marquise de Sévigné témoigne que les dragons ont commis des exactions, qu'on a brûlé des maisons et qu'on a même fait cuire des bébés à la broche. 5 janvier de l'année 1676. Pour nos soldats, ils s'amusent à voler. Ils mirent l'autre jour un petit enfant à la broche. Et puis, il est évoqué aussi qu'entre Châteaulin et Quimper, chaque arbre portait un pendu. Il y a eu une répression très très forte, village par village. Et chaque village devait fournir lui-même les meneurs de la révolte. Donc il y a eu une répression très très forte. Et puis symboliquement, ensuite, on a même détruit des clochers. Par exemple, le clocher du Lambourg à Pont-l'Abbé, parce que ce clocher avait sonné la révolte. Priver une population de clochers, des cérémonies, etc., c'était épouvantable. Vraiment, ça va être une atteinte très forte à la vie quotidienne de la grande majorité des Bretons. Oui, ce qu'il faut dire, surtout aux plus jeunes qui nous écoutent, c'est que le clocher rythmait la vie locale. C'est ça. La vie et l'heure. La vie et l'heure, oui, le midi, le soir, le dimanche, les jours de fête. Les réunions, les alertes. Et donc, comme ces églises avaient sonné la révolte, on a sanctionné en détruisant un certain nombre de clochers. Et les populations vont devoir payer des impôts supplémentaires, des taxations spéciales. Les États de Bretagne même vont être éloignés, à Vannes, le Parlement également. Et à chaque fois, pour retrouver les droits antérieurs, il faudra payer des charges énormes. La vie normale ne reviendra que sous le règne de Louis XV. Christe. Comment est-ce que le clergé s'est comporté à cette époque-là ? Le clergé a été parfois dans la révolte, parfois il a essayé d'apaiser les gens, il sentait bien que la répression arrivait. L'un d'entre eux a laissé une vision mitigée, c'est le père Monnoir. Enfin, il n'a livré personne à l'armée de répression, mais il confessait les gens et il les soumettait par la prière. Ce n'est pas un agent de l'adversaire. Il est venu essayer d'aider les gens à mourir, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Quand est-ce que la Bretagne va renaître de ses cendres ? Disons qu'en 1715, Louis XIV meurt et c'est la grande fête partout. Il faut dire que Louis XIV a été certainement le roi le plus détesté dans toute la France à cause des guerres terribles, des répressions intérieures à la France, aussi bien contre les Camisards dans les Cévennes que contre les Bretons. Donc ça a été un roi dont la mort a été accueillie dans l'enthousiasme. La vie a changé après la mort de Louis XIV. Bon, il y a eu des phases de difficultés, mais absolument rien à voir avec ce règne maudit. Un soleil noir, alors. Oui, donc le roi soleil, c'est quelque chose qu'on a raconté après. À l'époque, c'était d'abord une époque de grandes difficultés, de froid climatique, de mauvaises récoltes, d'impôts extrêmement lourds, et puis tout le faste du royaume et la construction de Versailles, qu'on faisait payer, bien sûr, à la population paysanne. En
En 1715, à la mort de Louis XIV, les difficultés de la Bretagne ne sont pas terminées, mais après 40 années terribles, qui ont notamment ruiné le commerce de la toile, la province va connaître un nouveau départ, administratif, économique et politique. C'est ce que l'on verra dans le 10e épisode de la série « La Bretagne en histoire ». À bientôt !